On va revoir. Là, je crois que c'est Caleb Ewan qui fait cette petite vague là sur. Alors, Caleb Ewan, donc c'est pour l'instant l'équipe Lamprey qui a emmené. Sacha Modolo avec Sacha Modolo. Il y a Sacha Modolo et Caleb Ewan. Il est en fait. Ah, il touche la roue arrière de Sacha Modolo. Et Marcel Kittel a failli être entraîné dans la chute. Alors il se fait un petit peu enfermé par les coureurs de l'équipe Lamprey, mais c'était de bonne guerre. Mais après, c'est vrai, il perd le contrôle, il perd l'équilibre. Et puis là, cette vitesse hein, derrière, on voit tous ces coureurs à terre. Oh là là, Caleb Ewan. Là, c'est Caleb Ewan, le premier à tomber. Ah, il a touché la roue arrière de Sacha Modolo. Ça aurait pu être pire. Hein, parce qu'on voit que... Donc c'est un petit peu perturbé ce sprint que Matteo Pelucci malgré tout a trouvé quand même la giclette dans ses derniers mètres en déboîtant sur la gauche. C'est Lorenzo Manzin qui était déjà tombé je crois comme ça il y a en début de saison sur je sais pas si c'était pas en Australie. Il y avait eu une terrible chute comme ça sur les premières étapes.